vous lever, on va lire la parole. Tutasoma neno. Thessaloniciens chapitre 4 verset 1. Wa Thessalonika wa kwanza sura yake ya 4 mstari ya kwanza. Au reste frère, kwa yote na bakia wa ndugu, puisque vous avez appris de nous comment vous devez vous conduire et plaire à Dieu, kwani mlipata habari kwetu namna gani mnapasha kujiongoza na kumupendeza Mungu, et que cela ce que vous faites, na njo kile mwe mko nafanya, nous vous prions, tunamiomba, et nous vous conjurons au nom du Seigneur Jésus, tunamilapia mujina la Bwana Yesu, de marcher à cet égard de progrès en progrès, kwa ajili ya ile mutembe kutoka maendeleo moja kwenda ku maendeleo ingine. Dans 3 Jean 1 verset 2. Muyowano ya tatu sura yake ya kwanza mstari ya pili. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards. Mpendwa, minataka wendeleye mumangambo yote. Et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Nakuya mwafia njema paka vile ali ya nafsi yako iko naendelea. Enfin, 1 Pierre 1er, Petro ya kwanza sura yake ya kwanza, verset 10 et 11. Mstari ya 10 na 11. Les prophètes qui ont prophétisé touchant la grâce qui vous était réservée, wanabi wale walitabiri mkugusa nema ile walimichungiaka, ont fait de ce salut l'objet de leurs recherches et de leurs investigations. Walifanya hii okovu kitu cha upekuzi yabo na utafutishi yao. Voulant sonder l'époque, mukutafuta kuchunguza wakati, et les circonstances marquées par l'esprit de Christ qui était en eux, na majambo yenye ilishika na roho ya Kristo ile ilikuwaka ndani yabo, et qui attestait d'avance les souffrances de Christ, na ile tanguliaka kuhakikisha ile mateso ya Kristo, et la gloire dont elle serait suivie, na utukufu ile itafata. Prions. Tuombe. C'est ton nom, elle te sanctifie, sauve, invite,
cœur. Et que cette grâce exprimée par les messages du temps de la fin apporte au Dieu quelque chose de plus dans la vie du frère, dans la vie de la sœur. Et que tu bénisses cette assistance, même ceux qui sont en train de suivre en ligne, qu'ils soient impactés par la même présence. Nous avons besoin de toi maintenant. Parle-nous, ô Dieu, que nous sortons ici bénis, nous sortons ici sauvés, nous sortons ici délivrés, nous sortons ici touchés par l'Esprit, nous sortons ici élevés, pardonnés, placés. Oh Dieu, fais quelque chose pour quelqu'un. Nous avons besoin de toi. Au nom de Jésus-Christ, nous t'avons ainsi prié. Amen. Je vais prêcher un peu sur la vision du progrès. Et en ça, je vise l'église. Je ne parle pas du progrès de n'importe qui. Comme Frère Branham dit dans Paré à l'aigle qui éveille sa couvée. Le paragraphe 21 et 22. Il dit ceci. Autre chose au sujet d'un aigle. Un aigle, c'est un oiseau spécial. En effet, il ne construira jamais son nid par terre. Il construit son nid là-haut, très loin. Il identifie cela à son église. Vous. Vous êtes une ville située sur une montagne. Pas dans une vallée. Vous êtes une ville située sur une montagne que l'on peut voir de loin. Une lampe allumée, on peut la voir de loin. L'église est située en haut avec de hautes attentes, de hautes ambitions. Il dit, je n'ai pas beaucoup confiance en l'église d'un pasteur qui n'a pas des ambitions de s'améliorer au jour le jour. Année après année, une église qui est vraiment une église du Dieu vivant ne s'arrêtera jamais. Et l'église n'est pas les bâtiments, c'est les hommes. Branham dit, l'église de Dieu est comparée à l'aigle. Kanisa ya Mungu inalinganishwa na tai. Et quand un oiseau dit il est l'aigle et qu'il met son nid bas, na wakati ndege fulani anasema yeye ni tai na anajengea kisangala yake chini, nous savons qu'il n'est pas un aigle. Tunajua sema ule ashina tai. Parce que ce n'est pas la nature de l'aigle. Il est aina asili ya tai. L'aigle dans sa nature, son habitation doit être très haut, pas par terre. Et c'est ça l'église. De hautes ambitions, de grandes ambitions. Il dit, je n'ai pas confiance dans l'église d'un pasteur qui ne veulent pas s'améliorer chaque jour. Année après année. Mwaka kisha mwaka. Jour après jour. Siku kisha siku. Là, j'attaque la foi catholique dans le message. Na shambulia ile imani ya kikatolo mujumbe. Mon père était catholique. Baba yangu alikuwa mkatolo. Ma mère était catholique. Mama yangu alikuwa mkatolo. Point. Kunaishia pale.
Je ne quitterai pas ce que je suis. Et il y a des gens comme ça. Le message, Ujumbe, je crois seulement ça. Ça, naï, c'est tout. Unaishi à pale. Je ne peux pas avancer. Si uwezi kusonga mbele. Branham n'a pas confiance en toi. Branham ashikutumainie. Une église qui est l'église de Dieu vivant doit s'améliorer chaque jour. Kanisa iliko kanisa ya Mungu mjime na pasha kujirekebisha kila siku. Jour après jour. Siku kisa siku. Année après mwaka année. Mwaka kisha mwaka. Frère Branham dit c'est là où les pentecôtistes ont failli. Ils ont terminé leur doctrine avec point. Il dit mais un vrai chrétien ne met pas point à sa croyance. Mais il met virgule. C'est-à-dire, Dieu peut ajouter. Et Paul dit aux Thessaloniciens, je suis heureux parce que vous faites les choses telles que nous vous montrons. Il dit surtout, je veux que vous alliez des progrès en progrès. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui s'appelle l'église ce matin? Si tu es église, le vœu de Paul et de frère Branham, c'est que tu ne sois pas arrêté. Hein? Si tu es l'église, tu ne dois pas t'arrêter. Tu dois progresser. Pas un seul pas de progrès, mais aller de progrès en progrès. Oh, j'aime frère Branham. Pour avoir de hautes ambitions, des grandes ambitions, il faut aussi avoir la foi de grandes choses. Je ne crois pas que la foi pentecôtiste peut attirer de grandes choses. Mais ta foi doit aussi aller de progrès en progrès. Est-ce que tu es là? Tu es là? Tu peux dire si je suis l'église, je dois aller de progrès en progrès. Ces progrès va commencer par l'âme. Et si l'âme obtient le progrès, obligatoirement, tout doit aller. Frère, donc, laisse-moi lire une citation. Dieu de cet âge mauvais. Paragraphe 96. Maintenant. Nous savons que l'évangile de Satan, c'est un évangile de science et de progrès. Il l'a prêché en Éden. Pas Dieu, c'est Satan qui l'a fait. La science pour le progrès, science kwa ajili ya maendeleo, la science et le progrès, science na maendeleo, c'est l'évangile de Satan. Ni injili ya shetani.
voyez là où il nous a amené aujourd'hui avec cela? Munaona kula alitupeleka leo na ile. Vous entrez dans des églises même du message. Munaingia mu makanisa ata ya ujumbe. On ne prêche que la prospérité. Beko na ubiri paka tu maendeleo. C'est la sécheresse. Ile ni kukauka kabisa. Apocalypse 10, c'est le temps de la moisson. Tout a séché. Ufunuo kumi ni wakati wa mavuno. Byote bilisha kauka. La balle a séché. Kanda inakauka. La tige a séché. Kamuti kanakauka. Les racines ont séché. Mizizi inakauka. Toute la vie est allée dans les grains. Uzima yote inaenda kufuchamia mumbeko. Or les grains, japo mbeko, c'est le fils de l'homme. Les grains, c'est l'épouse. Toute la vie est allée dans l'épouse. Autrement dit, l'épouse a tout retiré. Il a retiré toute l'onction. Alors les églises ont séché. Des prédicateurs ont séché. Banakauka. Surtout que l'écriture avait dit Zaidi vila ndiko elisemaka, que dans les derniers jours asema masiku za mwisho, la famine va venir. Njala itakuya. Ça ne sera pas la famine de pain et de l'eau, njala ya kukosa bukari na maji, mais ça sera la famine d'entendre. Itakuwa njala ya kukosa kusikia. La vraie, ile ya kweli, parole. Neno. Pas seulement la parole, mais la vraie. Les hommes iront de l'est, à l'ouest, du nord, au sud, en train de chercher la vraie parole. Neno ya kweli. Et ils n'en auront pas. C'est le temps de la sécheresse. Il n'y a rien à donner. Hakuna kitu cha kuleta. Prospérité. Mwendele. L'argent. Pesa. Les biens. Frère. Ndugu. Dans le message de Frère Branham. Ndani ya ujumbe ya ndugu Branham. Toute la prédication est basée sur la prospérité. Mahubiri yote inekalia paka pa maendeleo. Branham dit c'est l'évangile de Satan. Branham asema ile ni injili ya shetani. L'évangile de progrès, c'est l'évangile de Satan. Injili ya maendeleo ni injili ya shetani. Et les croyants, na waamini, korshokore, wenye kukosa chakula, parce qu'un korshokore, même quand tu lui donnes la nourriture, il ne mange plus. Mwenye aisha kupata kwash, ata kama unampatia chakula, hata kula tena. Il a perdu l'art de manger. Et dans de telles églises, quand vous touchez un peu les choses, les gens sont indifférents. Mais une fois tu dis, recevez l'argent, tout le monde est debout. Les mariages, de voyages, de promotions, c'est l'évangile de Satan. Il est injili ya shetani. C'est la séduction. Ni utongozi. Et je me demande un tel prédicateur s'il va dans des villes, des pays où les gens vivent aisés, s'ils auront quoi à prêcher. Mina juliza mubiri wa vile kama naenda kumainchi kule bantu beko na maisha ya muzuri sana ata baubiri nini. Ça c'est l'évangile de Congolais. Hii ni injili tu ya bakongomani. Propres Africains. Inendelea wana Afrika. On calcule la souffrance des gens. Wanaangalia mateso ya watu. Et on cherche à leur donner un petit opium. Na wanapenda ubakaburia dawa ya bushingishi. Pour qu'ils puissent oublier leur souffrance. Balale basabwe mateso yabo. Et on crie ces choses-là. Na wana taya bile bintu bile. Et les gens sont les mêmes. Na bantu beko paka ababarikiwe beko bakavile. L'évangile de Satan. Injili ya Shetani. Mais la
la vision du progrès. Voilà qui ni ile ono ya maendeleo. C'est le progrès selon Paul. Ni maendeleo kulingana na Paulo. Il dit je souhaite. Anasema mimi nataka que tu prospères. Uendeleye en tout état. Gambo zote. Comme prospère l'état de ton âme. Baka vile ali ya nafsi yako iko naendelea. Si un prédicateur te prêche la prospérité sans te donner la nourriture de l'âme, c'est l'évangile de Satan. Bila kukupatia chakula ya nafsi, ni njele ya shetani. Il faut le progrès qui vient de l'âme. L'âme d'abord est bénie. Kwanza nafsi inabarikiwa. Maintenant les retombées. C'est pourquoi au lieu de prêcher le corps, prêcher l'âme. Baali ya kuhubiri mwili, hubiri nafsi. Et j'aimerais que ton âme prospère. Na mimi napenda nafsi yako iendelee. Je veux que ton âme progresse ce matin. Napenda asubuhi ya leo nafsi yako iendelee. Parce que si ton âme est réglée, kwani kama nafsi yako inaendelea, tout ira bien. Yote bitendelea. Dans l'exposé des âges, page 321, maelezo ya bizazi karatasi yake ya 321, Frère Branham dit la quatrième vision montrait les grands progrès que ferait la science après la Deuxième Guerre mondiale. Ono ya ine ilikuwa naonesha maendeleo yenye siansa itapata kisha vita ya pili ya ulimwengu. Et c'est le progrès de Satan. Na ni maendeleo yo ya shetani. Parce que Satan contrôle. Ndu shetani eko na chunguza. La science. Siansa. Mais l'inquiétude de Frère Branham. Walakini uzuni ya ndugu Branham. C'était de savoir. Ilikuwa ni ya kujua. La science progresse. Siansa iko naendelea. Pourquoi l'Église ne peut pas aussi progresser? Or, le progrès de l'Église, selon l'Écriture, c'est un progrès qui doit commencer dans l'âme. Un progrès qu'on donne seulement au corps, c'est l'évangile de Satan. Ni injili ya shetani. Combien de gens écoutent l'évangile de Satan? Mais si la science évolue, l'Église aussi doit évoluer. Le compte à rebours. Paragraphe 34. Eh bien, basi, comme la science a fait du progrès dans l'espace, vile science na pokea maendeleo katika anga, au point qu'on a eu à placer un astronaute, mukipimo ile wanatia astronauti kule, de même, vile vile, l'Église, kanisa, a fait du progrès. Ilifanya maendeleo. Cette comparaison, j'aimerais comprendre. Ile kulinganisha mimi napenda nielewe. La science a fait des progrès. Science alifanya maendeleo. Il a envoyé un astronaute dans l'espace. Alituma astronauti muhanga dans la lune. Mumwenzi. Et Branham dit. La Branham anasema. De même l'Église aussi a fait des progrès. Vile vile pia kanisa ilifanya maendeleo. Si c'est de même. Kama ni vile vile. L'Église aussi doit envoyer un astronaute dans l'espace. Kanisa pia napasha kutuma astronauti muhanga. Parce que c'est la science contre l'Église. Et dans ce grand match, c'est l'Église qui va gagner. La science ne peut pas nous gagner. La science a progressé. Il a pris un astronaute, il l'a envoyé dans la lune. L'Église aussi a fait de même. Est-ce que c'est la vérité? Oui. Ndio. C'est la vérité. Ni ukweli. Et nous, notre astronaute, na chez astronauti wetu, nous ne l'avons pas envoyé dans la lune. Atukumutumaka mumwenzi. Mais nous l'avons envoyé dans la nuée. Chez tulimutuma muwingo.
quand la nuée est venue, wakati wingu ilikuya, notre astronaute wetu, a quitté la terre. Alitoka pabudongo. Il est entré dans la nuée. Akaingia katika wingu. Dans l'église est mystique. Manaje kanisa iko ya matata kabisa. Frère Branham entra dans la nuée. Oko Branham alingiaka muwingo. C'est notre astronaute. Jo astronauti wetu ule. La nuée du 28 février 63, notez bien. Wingo ya le 28 février 63, muishike vizuri. J'attaque la nuée de n'importe quand. Nikuna shambulia niwe mungambo yoyote. Oh niwe de 10 mars, oh niwe de ya le 10 mars, oh niwe ya shiku fulani. C'est la niwe de chinois. Ile ni wingo ya kichina. Une niwe sans promesse. Wingo ya shipo malako. Notre niwe. Wingo yetu. C'est acte premier. Ni matendo sula ki akwanja. Qu'est-ce qui s'est passé dans acte premier? Pitikanako matendo sula akwanja. Jésus quittait la terre un homme. Alikuwa natoka pabulongo eko muntu. Un homme. Muntu. Un homme. Muntu. Arrivé quelque part. Wakati anafika pasi moja hivi. Le ciel. Mbingo. A envoyé la limousine. Ikatuma gari nzuri. Et cette limousine. Nale gari nzuri. C'était la niwe. Ilikuwa ni wingo. La Bible dit, Biblia nasema, la niwe la dérobé. Wingo ni muiba. Et la promesse a été donnée. C'est Jésus. Uyu Yesu. Qui a été élevé. Uyu anainyuliwa. Au milieu de vous. Asikati yenu. Reviendra. Ataruria. De la même manière. Moja, moja. Que vous le voyez s'en aller. Cette écriture il andiko, s'est accomplie à la lettre file, file. Le 28 février 1963. Et pendant que cette nuée était descendue, Frère Branham, Branham, notre astronaute, a quitté la terre. Il est entré dans la nuée. Dis à ton ami, l'église aussi a fait des progrès. Parce que l'église aussi a envoyé l'astronaute dans la nuée. L'église n'est pas n'importe qui. Je vais prendre le revers de la médaille. Tu es aussi astronaute. Tu es entré aussi. Na weringia pia. Parce que derrière Frère Branham, nyuma ya ndugu Branham, une femme a vu. Mwanamke moja aliona. Il y avait les gens. Kulikuwa watu. Avec des drapeaux. Na mabendera. Et j'étais là. Na mie nilikuwa pale. Avec les drapeaux de la RDC. Bendera ya RDC. Derrière Frère Branham. Nyuma ya ndugu Branham. En train d'entrer. Niko naingia. Dans la nuée. Muwingo. Donc, maana yake, je suis astronaute. Na mie nilikuwa astronauti. Donc, maana yake, tu es astronaute. Na wewe uko astronauti. Alors je vais te dire. Sasa mimi nitakuelezea. Tu es une personne dans l'espace. Uko mutu wa muranga. Et comme tu es dans l'espace, vile uko muranga, les choses de la terre ne peuvent pas te vaincre. Bintu bya padunia abiwezi kukuwina. Tu es créateur. Wewe uko mumbaji. Rien ne peut te vaincre. Hakuna kile kinaweza kukuwina. Parce que ton corps, wani mwili yako, est sur la terre. Iko pabudongo. Mais ton âme, lakini nafsi yako, est dans l'espace. Iko muanga. Tout peut arriver. Yote naweza fika. Ce matin, je vais élever ta foi. Asubuhi ya leo nitapandiza yulu imani yako. Pour te dire, kwa ajili ya kukuelezea, tout peut arriver. Yote naweza fika. Dans ta vie. Mumaisha yako. Si tu crois, tout peut arriver. Kama tunaamini, yote naweza fika. Dis à ton ami, si tu crois, tout peut arriver. Kama tunaamini, kyokyote kinaweza fika. Tout peut arriver. Kyokyote kinaweza fika. Tu n'es pas n'importe qui. Wewe unaizuru nani? On te voit sur la terre. Kuna kuona pabudongo. Mais tu es dans l'espace. Lakini uko mwanga. Voilà la raison pour laquelle, kwa ile sababu, quand les sorciers viennent la nuit, ils ne te voient pas. Baloji banakuyaka bushiku, abakuonake. C'est un secret. Ni siri ile. Toi là, toi là. Weye ule, weye tu ule. N'es pas n'importe qui.
kumdhuru nani? Tuache tu commet des fautes. Wewe kama unafanya makosa, Dieu lui-même ton père. Mungu yeye mwenyewe baba yako. Va traiter avec toi sur les fautes. Atamalizana na wewe pa makosa yako. Mais ce n'est pas une raison. Lakini haina sababu. Pour que Dieu te livre à Satan. Mungu akutoe mu mikono ya shetani. Même si tu es dans les erreurs. Hata kama uko mu makosa. Tu es dans l'espace. Uko mwanga. Alléluia. Alléluia. Tu es dans l'espace. Satan ne va pas te toucher. Satan atakugusa. Satan ne peut pas t'atteindre. Satan atakulumbata. Parce que tu es dans l'espace. Wewe uko mwanga. Il faut dire au diable. Inapasha kueleza shetani. Mes erreurs. Makosa zangu. C'est moi avec mon père. Ni mie na baba yangu. Mais toi. Kwa lakini wewe. Tu n'as pas droit à me toucher. Una na haki ya kunigusa. L'aigle ne construit pas son nid sur la terre. Kisangala yake pabudongo. Demande à ton ami à côté, alors ta foi est terre à terre, pourquoi? Umulize rafiki yako kumpembeni. Sasa imani yako iko ya chini chini njuu ya nini? Ta foi doit être au ciel. Imani yako inapasha kuwa ya kimbinguni. Je suis un aigle. Niko tai. Je vis dans les hauteurs. Niko na ishi mumahanga. Ma foi c'est dans les hauteurs. Imani yangu ni mumahanga. Les choses que je crois. Bintu bile minamini. Ce sont des choses difficiles. Bintu bya nguvu nguvu. Mais prophétique. Kwa lakini bya kinabii. Ah, prophétique. Bya kinabii. Je crois que tu es prêt à avaler des choses prophétiques. Dis-lui, n'ayez pas peur de la révélation. Ta foi doit être là-haut. Pas terre à terre. Mais là-haut. Amen, amen. Amen, amen. La Bible dit. Biblia nasema. Le salut au kovu que vous avez aujourd'hui. Yenyele muko nayo leo. Des prophètes banabi ont fait de ça balifanya ile l'objet de leur recherche. Kishina ya upekuzi yabo et investigation na utafutishi yabo pour chercher tu akutafuta l'époque wakati où ces choses-là seront révélées. Mais en sondant, en faisant des investigations, ils sont allés dormir. Ils voulaient comprendre l'époque. Ça va être dans quelle époque? Mais Dieu nous a aimés. Mungu alitupenda. Non, laisse-moi lire Frère Branham. Mwache ni musome ndugu Branham. Est-ce que vous aimez Frère Branham? Eti munampenda ndugu Branham. Est-ce que vous aimez Frère Branham? Eti munampenda ndugu Branham. Je lis d'abord, Dieu tient sa parole. Kwanza mina msoma, Mungu anashimiaka neno lake. Prêché le 7 avril 57. Ya yubiri mutare ya saba mwenzi wa ine mwaka wa msini na saba. Je suis au paragraphe 30. Niko kifungu yake Shekina. Ya Shekina. Et 88, la voix de Dieu. Na samanini na nane, la voix de Dieu. La parole de Dieu se développe. Neno ya Mungu inajipanuaka. La parole de Dieu fait quoi? Neno ya Mungu inafanyaka nini? Se développe. Inajipanuaka. Et nous, na shei, nous devons nous développer pashwa kujipanua à mesure que la parole de Dieu se développe. Na vile neno ya Mungu nayo kunaenda na kujipanua. Nous devons tunapashwa à mesure que le temps avance. Ile wakati yote saa ikunaenda mbele. La science se développe. Science ikunadipanua. L'homme mtu le monde naturel
dunia kiasili, l'homme est le même homme qui était il y a 6000 ans. Muntu yako paka ule muntu mwamwe vile alikuwa kwa miaka 6000 quand Dieu l'a créé. Wakati ile Mungu alimuumbaka, il a la même capacité intellectuelle. Eko na ile uwezaji moja moja ya kielimu. Il a le même intellect. Eko na ile elimu moja moja. Il est exactement le même homme. Eko kabisa kabisa ule mutu moya moya. Avec les mêmes cinq sens. Na ile maisi tano moja moja ile. Qu'il était il y a des milliers d'années. Baka vile alikuwaka kuko maalfu ya miaka. Mais. Kwa lakini. Regardez les progrès qu'il a fait au cours de ces 50 dernières années. Mwangalieni maendeleo ile mtu alifanya miaka 50 natoka kupita. Regardez ce que ce fils de Dieu déchu a fait. Mwangalieni kile huyu mwana wa Mungu alianguka bila alifanya. Il a inventé les automobiles. Alitunga magari. La radio. Radio, les lumières électriques, manuru ya umeme, les bombes atomiques, makombora, et les avions à réaction. Regardez à quelle vitesse les pages de la science se tournent rapidement. Makartasi ya science kunapita kwepesi. Mais nous, walakini sheye, nous cherchons à nous attarder sur un vieux credo d'église. Una tafuta kuchelewea pa kikredo kia zamani kia kanisa. Et rester là. Na kubakiriria pale. Moi je reste là. Mimi na bakiriria pale. Moi je n'ajoute rien. Mie sitaongeza kitu. Moi je n'avale pas. Mie sita meza. Je reste là. Na bakiriria tu paka hapa. Branham te prêche. Branham yuko na kuhubiri. Il va rester là. Atabakiriria pale. Il dit anasema, alors que Dieu, il est wakati Mungu veut, anapenda que nous développions la parole. Tupate kupanua neno. Yes. Dieu veut que nous développions la parole. Ah, c'est ça le rôle du ministère. Développer la parole. Parce que tout le monde peut lire. Même les sœurs peuvent lire. Ataba dada, banaweza kusoma. Mais ce n'est pas ça le problème. Le problème c'est de développer la parole. Et plus la parole se développe, nous aussi nous nous développons avec la parole. Wow. Donc votre développement dépend du développement de la parole. Très profond même. Si la parole se développe dans ton âme, dans ton âme, toi aussi tu peux te développer. Développons la parole. Ne restons pas là. Nous vivons au temps où la magnifique église de Dieu devrait se tenir debout. Mwakati le kanisa bora ya Mungu ilipasha kushimama wima. Resplendissante. Mukumeremeta. Comme les lys de la vallée. Savile nyungi ya bonde. Je vais remplacer par sa valeur. Ceci est le moment où toi, tu devais être debout, en train de resplendir. Parce que tu es la cité sur la montagne. Une lampe allumée. Lampi ilio waka. Qui attire les gens de loin. Iko na vuta bantu luambari. Tu devais être debout. Unapasha kuya bwima. Resplendissante. Mukumeremeta. Mais. Walakini. Nous sommes restés en arrière. Tunabakia nyuma.
Moi, je fais partie des presbytériens, des méthodistes, des pentecôtistes. Je suis ceci ou cela. Voilà qui est. Oh, quelle honte. Nous devrions nous développer. L'Esprit de Dieu se déversant à flot. Pas juste une petite fusion. Pas un petit baptême. Mais des baptêmes en baptême. Pas une révélation. Mais des révélations en révélation, des puissances en puissance, des gloires en gloire, car nous devons être tout au bout du chemin, prêts pour l'enlèvement. Mais nous nous traînons en arrière dans des vieilleries, dans des histoires. Nous retournons en arrière. Madame me dit avançons. Dis à ton ami le cri de Branham, avançons dans des histoires, des vieilleries, des choses qui ne défient pas. On veut traîner là. Non, avançons. Des révélations en révélations, de puissance en puissance, de baptême en baptême. Nous devons nous développer. La science est allée très loin jusqu'à inventer la téléphonie. Le monde dans la poche. Quand nous voyons la science ses pages tourner rapidement du côté de l'église, nous devons aussi nous développer. Nous sommes plus que ce que nous pensons. Nous ne nous comprenons pas. Parce que dans ce message, Dieu est descendu. Dans ce message, il y a Dieu. Je t'informe que dans ce message, il y a Dieu. Créateur de ciel et la terre a abandonné les cieux. Il est dans ce message. Dis à ton ami, Dieu est dans ce message. La science progresse. Nous aussi, nous devons progresser. Nous sommes appelés à nous développer avec la parole. C'est pourquoi ne traînez pas dans des vieilleries. Les mêmes choses. Les mêmes choses. On a peur de croire. On a peur d'avancer. Et tout ne marchera pas. Je suis en train de dire à un frère, à une sœur, que ce matin, si ton âme progresse, c'est terminé. Tout ce que tu veux dans le matériel, tu l'auras. Frère, la bénédiction commence à l'intérieur. Je veux que tu prospères. Comme prospère l'état de ton âme.
nafsi yako. Dia ton ami ce qui compte c'est l'état de l'âme. Ni ali ya nafsi. Ton âme est dans quel état? Nafsi yako iko mwali gani? C'est ce qui amène ta pauvreté. Joile inaleta umashkini yako. C'est ce qui amène tes souffrances. Ile njo inaleta mateso yako. C'est ce qui amène tous les problèmes que tu as. Ile njo inakuletea matatizo yote ile ukonayo. L'état de ton âme. Ali ya nafsi yako. Ton âme n'a pas connecté Dieu. Yako haitichomeke kwa Mungu. Tu ne manges pas la parole dans l'âme. Aukuriake neno munafsi. La parole vient dans la tête. Mais si tu permets maintenant que ce message descende dans l'âme, tout peut arriver. Parce que Dieu ne mentira jamais. Si l'âme est connectée, le reste va arriver. L'âme. Nafsi. Il y a des âmes en problème. Kuko manafsi katika matatizo. Des âmes en état malade. Manafsi migonjwa. Vous les voyez? Shalom. Naona salam. Shalom, shalom. Salama, salama. C'est l'extérieur. Ah, ni lwa inje. L'âme souffre. Ndani nafsi kuna teswa. Frère Branham a prêché un sermon. Iko na lazima ya mahubiri. Frère Branham a prêché un sermon. Ndugu Branham alihubiri mahubiri. Les âmes. Manafsi. Qui sont en prison. Ile iko korokoroni. Maintenant. Apa sasa. Tu le vois une personne? Mutu, tu le vois une personne? Kuna muona ni mutu, mais walakini, son âme est dans une prison. Nafsi yake iko mubuloko. La prison des coutumes. Buloko ya makabila. Emprisonné lié. Mwenye kufungwa katika buloko. Il peut être là, amen. Anaweza kuwa pale, amina. Alléluia. Alléluia. Mais l'âme est emprisonnée. Iko korokoroni. Alors regarde ton ami, dis-lui, est-ce que tu connais l'état de ton âme? Mwangalie rafiki yako mweleze eti unajua hali ya nafsi yako. Parce que la bénédiction matérielle physique dépend de l'état ya de l'âme. Inalingana na ali ya nafsi. Oh, moi toujours comme ça. Oh, moi toujours comme ça. Baka, l'âme est dans quel état? Mu ali gani? Que Dieu aide quelqu'un ce matin. Mungu apate kusaidia mtu asubuhi ya leo. Parce que l'épouse n'a pas reçu seulement un prophète. Kwani bibi harusi akumpokea tu paka nabii. Mais l'épouse a reçu aussi un docteur. Walakini bibi harusi alipokea pia mwalimu. Et le docteur Branham a fait un diagnostic correct. Na munganga Branham alichunguza kabisa. Un diagnostic correct. Alichunguza mzuri kabisa. Et il est le docteur de l'âme. Na yeye ni munganga ule anatumzaka manafsi. Et je suis son assistant. Avec tous les remèdes que le docteur Branham a écrit sur l'ordonnance. Na madawa yote ile munganga Branham aliandika pa kartasi. Et je veux que l'âme de quelqu'un. Na mimi napenda nafsi ya mtu. Quitte la prison pendant que je suis en train de parler. Itoke mubuloko hapa niko nasema. Si c'est la prison de coutume. Kama ni buloko ya makabila. Quitte. Tokamo. Si c'est la prison du péché. Kama ni buloko ya zambi. Quitte. Tokamo. Personne ne peut lier ton âme. Hakuna mtu anaweza kufunga nafsi yako. Parce que Jésus à la croix, Yesu kumusalaba, en versant son sang, kumwanga damu yake, a détruit alibomona toutes les ordonnances antérieures qui étaient en train de te retenir. Magizo yote ya zamani ile ilikuwa na kufunga. Et que maintenant tu peux être libéré. Na hapa sasa unaweza kuwa huru. Vous savez une chose. Munajua kitu moja. Si tu n'aimes pas les docteurs, tu ne seras jamais guéri. Kama mupendake munganga hautaponaka. Tu es obligé de m'aimer. Unalazimishwa kunipenda. Tu es obligé
unapashwa deme le docteur Elrach. Kumupenda munganga Elrach. Si tu ne m'aimes pas, kama aunipende, allez chercher un autre pasteur. Wendo katafute muchungaji mwingine. Parce que tu perdras le temps. Njo utaponda wakati. C'est le message. Ni ujumbe. Tu resteras là, tu vas perdre le temps. Utabaki hapa, utaponda wakati. D'autres personnes seront visitées, toi jamais. Batabatembelea weye kamwe. Parce que tu n'aimes pas le médecin. Aumupende munganga. L'état de l'âme. Ali Yanafsi. C'est pourquoi même pour être ensemble avec quelqu'un dans les affaires, hein? Ne vous associez pas en désordre. Il faut d'abord découvrir quel est l'état de cette personne avec laquelle tu viens marcher ensemble. Ali Yanafsi, Yanafsi. Parce que la bénédiction vient de l'âme. Tubaraka iko nanzia kunafsi. Tout ce que les prédicateurs disent là, recevez les gens, prospérité. C'est l'évangile de Satan. Injili ya Shetani. L'argent viendra. Pesa itakuya. Le mariage viendra. Oa itakuya. Les promotions viendront. Cheo itakuya. Si l'âme reçoit son message, inapokea ujumbe yake. Oh, tu peux dire alléluia. Sema alléluia. L'âme. Nafsi. Est-ce que l'âme est prêchée? Eti nafsi inahubiriwa. Qui vous dit que tous ceux qui prêchent prêchent l'âme? Nani mwenye kuelezea sema bote bale banahubiriaka nafsi? Non. Apana. Il y a des prédicateurs du parvis extérieur. Kuko bahubiri bawanza ya inje. Mais prédicateur. Kwa lakini mubiri. Mais l'épouse. Kwa lakini bibi harusi. A des ministères. Il y a saint de saint. Eko na uduma ya fazi takatifu sana. Là où il y a la gloire de la Shekina. Bale peko ine utukufu ya Shekina. Là où la verge d'Aaron produit les fleurs. Bale bakoni aruna inatoa maua. Reçois la délivrance de l'âme. Pokea ukombozi ya nafsi. Que ton âme soit délivrée. Nafsi yako ikombolewe. C'est matin que le Saint-Esprit vient dans l'âme. Asubuhi ya leo Roho Mtakatifu ikuwe munafsi. Vous savez? Mnajua? Branham dit, il y a des gens avec le baptême du Saint-Esprit qui iront en enfer. Branham anasema kuko bantu na ubatizo wa Roho Mtakatifu bataenda mugeena. Pourquoi? Njui ya nini? Le Saint-Esprit n'est pas venu dans la Roho Mtakatifu haikuingie munafsi. Juste il est là où hein? Inabakiria tu hapa yulu mwenye kupakaliwa. Mais l'âme. Kwa lakini nafsi. Rien. Sifuru amuna kitu. Branham dit avançons. Branham asema tusongeni mbele. Ah frère, tu vois? Eh nduku naona? Eh cette sœur là, eh ce frère là. Je ne vois rien. Na ule dada sio. Moi je ne vois rien. Mie nshione. Branham me dit d'avancer. Branham anyelezea asema songa mbele. De ne pas passer le temps dans les vieilleries. Ici wakati mabitu ya zamani. Dans les choses inutiles. Mabitu ya shipo na amana. Ça ne m'édifie pas. Abini jenge. Dis-moi ce que frère Branham. Unyelezee kile nduku Branham alisema. Révèle-moi ce que tu as lu. Unifunulie kile ulisoma. Ça va bénir mon âme. Itabariki nafsi yangu. Qui peut dire amen? Sema amina. Qui peut dire un amen très fort? Sema amina ya nguvu. Un amen qui fait mal au diable. Amina ile kuna muuma shetani. Ma bénédiction baraka yangu dépend de l'état de mon âme. Inalingana na hali ya nafsi yangu. Et Fabana me dit, je ne suis pas venu en fait prêcher les gens pour être mes fanatiques. Mais suivre. Wanifate. Mais je prêche pour créer une relation véritable entre Dieu et les hommes, dans lesquels les hommes deviennent des nouvelles créatures. Ton âme doit parler avec Dieu. Nafsi yako inapasha kuzungumuza na Mungu. Ton âme doit être en relation avec Nafsi Dieu. Nafsi yako inapasha kuwa mumusiano na Mungu.
Maintenant, ton âme est en relation avec qui? Sasa nafsi yako we iko mumusiano na nani? Ton âme est en relation avec nafsi yako iko mumapatano wala mumusiano na nani? Avançons. Twendele. Branham nous a dit ici, il faut aller de baptême en baptême. Branham a utilisé ce matin à partir du tour baptiso moja kwenda kuma ubatizo ingine. Et je veux que tu sois baptisé d'un nouveau baptême maintenant. Mina penda apa sasa ubatiziwe na ubatizo mupia. Dans Israël en Égypte paragraphe 105. Mu Israël mu Misri kifungu yake ya 105. Branham dit ceci. Branham anasema hivi. C'est dont les gens ont besoin. Il est bantu bekonayo lazima. C'est un baptême de cervelle. Ni ubatizo ya ubongo. En plus du baptême d'eau. Mukutoshako ubatizo ya maji. Excusez-moi cette expression tranchante. Mu nyue razinjwa imusemo ya makari ya nguvu nguvu. Mais j'aimerais la laisser pénétrer. Lakini mimi napenda niachilie imingie kabisa. À part le baptême d'eau, il faut ajouter le baptême de cervelle. Ubatizo ya maji inapasha upokee ubatizo ya ubongo yako. L'échec c'est un état d'esprit. Kukosa kuweza ni hali ya roho. Amen. Amina. Si Michel-Ange avait considéré combien de fois il a échoué d'exprimer sa vision sur le monument de Moïse. Michel-Ange aliweza kuangalia mara ngapi alishindwa kuonekanisha ono yake pa ile sanamu ya Musa. Il n'allait pas aboutir au chef-d'œuvre. Akupashaka kufikia ku ile kazi kamilifu. Regardez-moi bien, c'est à toi que je parle. Unyangalie mzuri, ni wewe ndio nikunaelezea. Ne considère pas les échecs que tu as connus dans la vie. Ushangarie vile ulibishindwa shindwa mu maisha. Ushangarie kubile. Combien de fois ça n'a pas marché? Malangapi ulishindwa biendeke. Combien de fois on a prié, il n'y a pas eu de résultat? Barikombea aupate majibu mzuri. Sois baptisé au cerveau. We baptisiwa sasa mu ubongo yako. Enlève ça. Tosha bile. Les échecs, ce n'est pas ta vie. Aina maisha yako. Les échecs, kushindwa, ça a été le moment d'essai. Ilikuwa ni wakati ile ulianza kupima, unapima. N'ayez pas ça en tête. Usikwe na ile mawazo tena mkichwa. Ce matin quelqu'un sera guéri sans imposition de main. Asubuhi leo kubwa ula tapona bila kumutilia mikono. Sans imposition de main. Bila kumutilia mkono mimi nakuelezea. Un monsieur abandonné de médecin. Un païen. Mupagano. On dit tu vas mourir. Mais il a commencé à penser positivement. Il se voit aller au boulot. Et ce qu'il pensait, les traiter. Chaque jour, il devenait de plus en plus meilleur. Kila siku ananja kwenda na kupona na kupona. Et un jour, il a pris sa valise. Na kisha siku anachukua sakoshi yake. Il dit au médecin, bye. Anaeleza munganga bye. Oh, tu es guéri, tu pars où? Unapona kuna wapi? Je suis guéri. Asema ndio, mimi napona. Bwanam dit il y a un pouvoir dans la pensée. Duba masema muko uwezo ndani ya mawazo. Parce que même Elohim, wani ata Elohima, avant de créer, mbele ya kuumba, il avait pensé. Alianzia hapo kuwaza. Avant de dire que la il a d'abord pensé. Et la parole, c'est d'abord la pensée qui est exprimée. Dans la pensée, il y a une puissance. Ce matin, je te parle de la puissance de la pensée. Je te dis que tu deviendras ce que tu penses. Tu deviendras ce que tu penses. C'est pourquoi recevez le baptême de cerveau. Pokea ubatizo ya ubongo. Recevez le baptême de cervelle. Dans le nom de Jésus. La à partir de maintenant. Pensez les choses autrement. Que quelqu'un dit je ne suis pas malade. Je ne suis pas pauvre. Alléluia. 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 Que ta pensée soit traitée maintenant. Branham te donne le baptême de cervelle. Anakupatia ubatizo ya ubongo.
Que ce soit la pauvreté. Ipate kwa bumashikini. Que ce soit l'échec. Ipate kwa kubishindwa. C'est un état d'esprit. Ni ali ya akiri yako. Et soyez libérés. Na kombolewa. De l'esprit négatif. Toka makiri ya kurudisha kumukongo. Pensez positif. Kuya na makiri ya kukupeleka kumbele. Si tu es gravement malade, dis je ne mourrai pas. Kama ulikuwa mgonjwa kabisa, sema mimi sitakufa. Ça c'est le secret de votre pasteur. Injo siri ya mchungaji wako. Même quand les choses sont sérieuses. Hata wakati vitu biko matata. Moi je dis le contraire. Mimi nasemaka kinyume. Et ce que je prononce là, na kile mina semaka pale, dans la simplicité, pika ça finit par arriver. Ne croyez pas au diable. Ushimwamini shetani. Baptême. Ubatizo. Ouais, libéré. Akiri yako ikombolewe. Oh non, mi epaka hivi. Oh, moi je suis toujours comme ça. Enlève ça de ton cerveau. Toshe le mawazo ya vile mukichwa yako. Quand bien même tu es pauvre, dis je suis riche. Ataka moko mashikini sema mie niko mutajiri. Même quand le diable t'a eu quelque part, tu es tombé. Ata wakati le shetani alikulomba tafashi mocho naanguka. Dis je suis chrétien. Sema niko paka mukristo. Ça je vais arranger. Mais je suis chrétien. Voilà qui n'est pas comme Christ. Je suis enfant de Dieu. Soyez positif. Est-ce que le cerveau est baptisé? Que le cerveau soit baptisé. Nous devons aller de baptême. En baptême. Le baptême de cerveau. Quand tu es faible, dis je suis fort. Wakati ko muzaifu sema niko na nguvu. Quand tu n'as rien, dis j'ai l'argent. Wakati hauna na kintu sema niko na pesa. La dame a dit au prophète tout va bien. Ule bibi alielezea nabii asema biote bikunaendeka mzuri. Alors qu'il y avait les cadavres à la maison. Ye wakati kulikuwa kitumba nyumbani. Et dit tout va bien. Wakati anasema biote binaendeka sawa. Et tu dois être plus que cette femme. Unapasha kupitia ule dada ule. Et ce que tu prononces. Ubilo konasema. Oh là là. Ema. La Bible dit. Sema. La Bible dit. Biblia nasema. Jésus-Christ. Yesu Kristo. Et le grand prêtre de notre confession. Eko padri mkubwa wa bile chetu na kiri. Ce que vous confessez. Bile uko na kiri. Jésus va l'accomplir. Yesu atabitimiza. Commencez à confesser de bonnes choses. Anza kukiri bintu bizuri bizuri. Et moi je te dis tu es riche. Na mie na kuelezea wewe uko mtajiri. Je te dis tu es saint. Na kuelezea uko mtakatifu. Tu es l'épouse. Uko bibi harusi. Tu es la parole. Uko neno. C'est la loi de l'identification. Ni sheria ya kujitambulisha. Vous devenez unakuia ce qu'on confesse pour vous. Kile uko na kiri kwa ajili yako. Il faut jamais dire à ton fils que ouais mbafu wewe utakuwa kama mtu wewe. Aipashe kueleza mtoto wako tu es stupide tu ne seras pas quelqu'un. Ne dis pas ça. Usiseme vile kwa mtoto yako. Dis des bonnes choses. Umwelezee bintu bizuri bizuri. Ne dis pas papa toi un jour toi. Ushele mama mama sema. Ne dis pas à ton mari. Wewe mama ushelezee bwana wako shiku mwa sema. Toi un jour on va t'arrêter. Shiku moyo wewe ki bwana yangu bata. No. Hapana. La pensée. Mawazo. Quand il donne la parole. Wakati naleta neno. C'est puissant. Inakalaka na uwezo. Faites attention. Kebeni yange. Dis des bonnes choses. Semeni bintu bizuri bizuri. Est-ce que là au fond vous suivez? Kule kumwisho mungu nanishikia. Est-ce que vous avez reçu aussi le baptême de cerveau? Na mwe pokea ubatizo ya ubongo. Ah, que le cerveau change. Ah, ubongo yenu ibadrike. Pensez toujours de bonnes choses. Uwaze kila mara bintu bizuri bizuri. Et là au balcon ça va? Na kule kuroshani. Le cerveau est baptisé aussi? Ubongo pia na batiziwa. Dis je suis fort. Sema niko na nguvu. Même quand tu te sens faible, il faut dire je suis fort. Ce que tu confesses, c'est ce que tu vas devenir. Gloire au Seigneur. Le baptême de cerveau.
Fondement fondamental pour la foi. Musingi ya kumwanzo mwanzo kwa ajili ya imani. 21 à 24. Certains bengine sont placés dans l'église comme des docteurs. Banatiliwa mukanisa kama vile walimu. D'autres comme des apôtres. Wengine kama wa mitume. D'autres comme des prophètes. Wengine kama wa nabi. Et des dons de guérison. Na mavipaji ya uponaji. Des miracles. Miujiza. De parler en langue. Kusema mluga. L'interprétation. Utafsiri. Et cetera. Na kazalika. Toutes ces choses. Imabitu yote hii. Dans ce seul grand corps mystique de Jésus-Christ, mwile mwile mnene moja ya kisiri ya Bwana Yesu Kristo opère sur la terre. Iko natumika pa budongo. Et un jour je crois. Na shiku moya mimi na mimi, je crois que c'est proche maintenant même. Na mimi ya kwamba sema iko karibu hapa sasa hapa. Comme ce soir cette lumière. Na vile imangaribi hii nuru. Et cette lumière là. Na ile nuru ile. On a fait passer cette petite ficelle de l'autre côté de la route. Balipitisha akakankambo ile ngambo ya pili ya balabala. Et on a amené ce fil électrique là-bas. Na bakaleta inkamba ya moto umeme hapa. C'est quelque chose de matériel. Kitu moya ya kivitu kabisa. Eh bien, alors. Basi sasa. Quand l'énergie passe par ce fil là, wakati moto ya umeme inapitia mu ile shinga ile, cela produira exactement ce que cela fait ici dedans. Ile tatoa kabisa kabisa kile ile kunafanya humu ndani. Ah, c'est glorieux. Eh, ni utukufu. Eh bien, basi, je crois que minamini ya kwamba bien souvent dans les câblage du corps spirituel mara mingi mkutia mashinga mwile mwili ya kiro de Dieu sur la terre ya Mungu pabudongo. Je dis cela avec respect pour les électriciens. Mina sema ile na heshima kabisa kwa ajili ya wafundi ya umeme. Est-ce que tu es là? Et tu crois pas? Respect pour qui? Heshimia nani? Faut les respecter. Inapasha kuwaheshimia. Respecter qui? Kuheshimia wanani? Les électriciens. Wafundi ya umeme. Nous avons des plombiers à la place des électriciens. Tuko na wafundi wa maji parfois ya wafundi wa umeme. Branham dit les plombiers c'est en ordre mais Branham nous ne pouvons pas les sauver par l'eau. Ufundi wa umaji ni usawa kwa lakini atuwezi kubaokoa kupitia maji. Non! Apana. On sauve par le feu. Tukunaokoa kupitia moto. Mais le problème kwa lakini matatizo la difficulté magumu dans le câblage du grand corps kutia mashinga mwile mwili munene. Les plombiers se sont improvisés en électricien. Wafundi ya maji wanadingiza pafasi ya wafundi ya umeme. Pasteur là ça devient compliqué. Mchungaji hapa binakuwa sasa bya mvuruko. Un plombier mfundi wa maji mais qui s'improvise anajitokelea pale en électricien kama fundi wa umeme. Il va prendre le tuyau et mettre l'ampoule. Kula tabeba kutio ya maji anachomeka ku ampoule. Ça ne va pas s'allumer. Ampoule il aita waka. Là c'est le problème de l'électricité. Ni mambo inaangalia fundi wa umeme. Pas un bricoleur. Apana wa kupapasa papasa. Un électricien formé expérimenté. Fundi wa umeme aliyotungiwa mwenye kuwa na mazoezo. Qui sait isoler le fil. Anajua kufunga mzuri mashinga. Qui sait séparer les deux fils. Anajua kutenganisha mzuri mashinga mbili. Qui sait mettre les nêtres de côté. Anajua kutia nêtre pembeni. Et la face de côté. Na kwenye kuna toka moto pembeni. Quelqu'un qui a appris. Mtu ule alijifunza. Qui est bien formé. Ule alitungiwa mzuri. Et Frère Branham continue à parler. Branham anaendelea na kusema. Exactement c'est la difficulté que nous avons aujourd'hui. Matatizo ile tuko nayo leo. Beaucoup de prédicateurs plombiers. Baubiri ba mingi bafunzi wa maji.
il n'y aura pas la connexion. Est-ce que ton âme est en état? Tu es prêt à être connecté? Il dit ça, respect pour les électriciens. 22, il dit, si le corps est correctement câblé, kama mwili inatiliwa shinga vile natakiwa, et que le Père au ciel actionne l'ego interrupteur principal, baba kumbingu anawakisha pakiwakisha kinene cha lazima, quelque chose doit arriver, kitu moja napasha kufika. C'est vrai, ni kweli. Si le bâtiment est correctement câblé, kama majengo natiliwa mashinga ya umeme vile natakiwa, et si nous sommes correctement enseignés, na kama she tunafundishiwa mzuri kabisa, et que chaque fibre de notre corps est soumise à Christ et à sa parole seule, kila shinga ya mwili yetu iko mtiifu kwa Kristo na kwa neno yake yepeke. Est-ce que vous suivez ça très bien? Et tunafuata hii vizuri kabisa. Donc il parle d'un bon enseignement. Anasema kwa ajili ya mafundisho mzuri. Être correctement enseigné. Kufundishiwa mzuri sana zaidi. Oh, est-ce que vous me suivez très bien? Tunafuata mzuri. Être correctement enseigné. Kufundishiwa mzuri sana zaidi. Alors, que cette église-là se cramponne à Christ et à la parole seule. Inakumbatia kwa Kristo na kuneno yopeke. La parole seule. Neno yopeke. C'est profond. Ya uketo kabisa. Une église qui s'accroche à la parole seule. Inakumbatia pra kuneno tu. On ne connaît que la parole. On a joué pas neno. Rien d'autre. Akuna kingine kilo na joué la parole. Pas neno. Frère Branham a dit. Doko Branham arisema. C'est tout. Kuna ishi a parlé. Pas les bonnes intentions. Apana mama wazo mizuri mizuri. Pas les bonnes pensées. Apana mafikiri mzuri mzuri. Pas les bonnes idées. Apana mania nzuri nzuri. Frère Branham a dit. Doko Branham arisema. Ça tanche. Inamaliza mambo yote. Parce que Frère Branham a dit. Doko Branham arisema. Et trop pesant, ça dépasse El Rash. Iko ya buzito kabisa na mupitia El Rash. Ah, j'ai pas entendu un amen. Sema amina. Les pasteurs muchungaji est en dessous de la parole. Eko chini ya neno. Et si déjà le pasteur est en dessous de la parole, kama tayari muchungaji eko chini ya neno, qu'en est-il du diacre? Sasa shemasi tutasema je. Qu'en est-il de l'ancien? Tasema je njua mzee. Qu'en est-il de ses frères là? Tasema je njua ule nduku ule. Ou de cette sœur là? Wala njua ule dada ule. Rien. Hakuna cha kusema. L'église s'accroche à la parole seule. Kanisa inakumbatia kuneno yo peke. Quand cette église s'accroche à la parole seule, et que le Dieu du ciel appuie le grand interrupteur central, quelque chose moja va arriver. Correctement enseigné, accroché à la parole seule, et Dieu kisha Mungu appuie l'interrupteur. Est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous êtes là? Il continue. Si vous avez la théologie, kama uko na teologia, si vous avez une certaine doctrine, kama uko na mafundisho fulani, si vous avez la suite superstition, kama uko na ile mawazo ya mabuloji buloji. Buloji buloji, kuogopa ogopa. Kuogopa. Faites attention. Napasha kukeba na ule. Faites attention. Na ule napasha kumongopa. Ah, voilà, là, vraiment. La superstition. Bima mawazo, bima ibi mabuloji, bia ovyo tu. Devant la parole, ces choses n'existent. Mbele ya neno, ile mabintu, aina ako. Tu veux m'effrayer? On a fait la bougnongo pêche.
devant la citation de mon Branham. Mbele ya njiko ya Branham wangu. Mon Branham, Branham wangu mi. A parlé. Arisha sema. Branham wantumba. Branham wantumba. Lorsque El Rash wantumba, wakati répète Branham wantumba. Wantumba anarudiria kile Branham wantumba. Et toi tu me dis. Na wana ta kunyonesha sema. Faites attention. Keba ange. La superstition. Mawazo ya kibuloji buloji. Ou une doctrine que vous avez gardée. Voilà ma fondation moi et fuchika. Ou une théologie. Voilà théologie à fulani. Si vous avez de l'incrédulité. Kama uko na kutokuamini. Si vous avez quelque chose qui fait obstacle quelque part. Kama una kitu moja inakuwa kikwazo fasi moja hivi. Alors. Cette énergie ne peut jamais couler au travers de vous. Ile moto ya umeme haiwezi kamwe kupita ndani yako. C'est frère Branham. Ni ndugu Branham. Parce que ton âme, juu nafsi yako, a des problèmes. Iko na matatizo. Ton âme garde parfois l'incrédulité. Nafsi yako sangine kuna chunga kutokuamini. Ton âme garde la superstition. On dirait tu crois, on dirait tu crois pas. On dirait tu es sûr, on dirait tu n'es pas sûr. Quelqu'un qui est dans un état comme ça. De bluff. C'est ça l'état de ton âme. Jo ali anafsi yako ini. Ou bien ton âme garde une doctrine. Ao nafsi yako inaendelea kuchunga mafundisho fulani. Moi je m'accroche. Mimi mina bakiri hata kuile mafundisho. Comme je le disais en entrant, les catholiques disent moi j'étais baptisé le temps de prêtre Antoine Sisekina. Mimi bari nibatizaka mu wakati wa padre Antoine Gilbert. Je garde ça. Mina chunga ile. Non. Apana. Branham dit vous devez développer la parole. Vous devez aller de révélation en révélation. De gloire en gloire. Maintenant ton âme garde soit l'incrédulité, soit une doctrine, soit une superstition. Madame dit cette énergie Brahma, il est moto ya umeme, ne va pas couler en toi. Aita pita ndani yako. Tu as compris? Unanielewa? Demande à ton ami, tu as compris? Umulize rafiki yako, unaelewa? Tu as compris pourquoi rien ne se passe dans ta vie? Unaelewa njua nini bintu abiendege mu maisha yako? L'énergie moto ya umeme doit couler dans ton ina âme. Inapasha kupita munafsi yako. Mais il doit trouver une âme bien en état. Moto ya umeme inapasha kuchuku kutanisha nafsi yako. Nafsi iko muali mzuri kabisa. Hallelujah. Hallelujah. Merci docteur Branham. Aksanti munganga Branham. Ndi nasema me kwa lakini. Lorsque vous en arrivez à être correctement câblé, wakati unafikia mukipimo ya kutiliwa shinga mnamna ya mzuri kabisa, et que le chef électricien l'a approuvé, na mkubwa ya wafundi wa umeme anichikia ile mambo, en le scellant du Saint-Esprit, mukuitia muhuri ya Roho Mtakatifu, la seule chose qu'il faut faire alors, kitu kimoya kinabakia kya kufanya sasa, c'est d'actionner l'interrupteur, kwenda kuwakisha pakiwakishio, et il y aura un spectacle lumière. Utakuwa nuru ya kushangaisha kabisa. Hallelujah. Hallelujah. C'est ce que Dieu s'attend dans ta vie. Ile Mungu yako naongojea mu maisha yako. Spectacle lumière. Nuru ya kushangaisha. Spectacle. Nuru ya kushangaisha kabisa. Qui l'attire. Yenye ko navuta kabisa. Dans tous les domaines de la vie. Mu mangambo yote ya maisha. Ta vie doit donner spectacle maisha lumière. Maisha yako inapasha kushangaisha. Le spectacle.
avec la lumière va venir itakuya, si tu y es correctement câblé. Unatiliwa shinga ya umeme vile natakiwa. L'état de l'âme est propre. Ali ya nafsi yako iko ya safi. Le chef électricien, chef ya wafundi wa umeme, il envoie l'électricien local. Anatuma mfundi wa umeme wa pafasi. Il dit allez actionner l'interrupteur. Wendo kawakishe pa kiwakishio. Gloire au Seigneur. Utukufu kwa Mungu. Je sens que quelqu'un l'interrupteur est actionné ce matin. Mimi nasikia ule kiwakishio yake inawakisha sasa. Et que ça donne un spectacle lumière. Inaleta nuru ya kushangaisha. Qui attire. Ile nuru kunavuta. Là où tu es, les gens doivent sentir. Fashile wiko bantu wanapasha kushikia. Que il y a un enfant de Malachie 4. Peko mutoto wa Malakia 4. On doit sentir. Banapasha kushikia. Parce que ta vie produit maisha yako kunaleta nuru ya kushangaisha. Spectacle lumière. Nuru ya kushangaisha kabisa. Est-ce que tu es prêt? Eh, tuko tayari. Au nom de Jésus. Ujina la Yesu. J'appuie sur l'interrupteur de ta vie. Pakiwa kishio maisha yako. Priez. Wangaza. Non, attendez. Eh, subiri. La citation. Subiri maliza andiko. Il est dit na vous êtes la lumière du monde. Mwe uko nuru ya ulimwengu. Une ville située sur une montagne. Tauni ile iko yulu ya mulima. Qui ne peut être caché. Ile haiwezi kufuchama. Et nous ce soir, nashaye mangaribi ya leo, nous devions avoir honte de nous-mêmes. Tulipasha kurishikia shebe nyewe haya. Et confesser sincèrement, na kukiri kabisa kabisa, humblement, na unyenyekevu yote, notre incrédulité devant Dieu. Kutokuamini kwetu mbele ya Mungu. Lui demander de nous pardonner. Kumuomba atusameye. De la manière dont nous les représentons. Kwa namna ile tuko na muwakilisha. Dans cette vie, Mui maisha hii. Il compte sur nous. Eko na tutumainia. Tiens la main de ton bien-aimé. Shika mkono ya mpendwa wako. Dis-lui. Umweleze. Sors ici, sois spectacle lumière. Mangari atwe toka hapa ukwe nuru ya kushangaisha kabisa. Parce que Dieu compte sur toi. Ju Mungu eko na kutumainia sana. Dieu, Mungu, créateur, Mumbaji, compte Eko sur moi. Nani tumaini ya mie. Je dois demander pardon. Mina pasha kuomba musama. Parce que je l'ai mal représenté. Wakilisha mubaya. Et qu'à partir de maintenant, tous ceux qui sont dans les ténèbres doivent être attirés par les spectacles lumineux. Parce que toi aussi tu ne peux pas être dans les ténèbres. Tu ne peux pas être dans les ténèbres. Toi tu es spectacle lumineux. Dieu compte sur toi. Toi. Mungu eko na kutumainia. Ah, c'est fort. Eki ni kianguvu. Les gens de l'Ancien Testament serraient un peu la ceinture ici. Bantu bagano la kale apa mufunge mishipi yenu nguvu. Les gens bantu n'avaient pas abakukuaka. Vous n'en êtes pas conscient. Vous vous référez parfois à Élie, à Moïse, à ces gens. Moïse, Élie, ces hommes-là, c'était des grands hommes ordonnés de Dieu. Mais ils n'avaient cependant pas les privilèges que vous, vous avez. Abakukuyaka na ifazili mweye muko nayo. Nous sommes les étudiants de la parole. Cheye tuko banafunzi baneno. Nous devons aller de gloire en gloire. Tunapasha kwenda kutukufu moya kutoka kutukufu kwenda kwingine. Révélation en révélation. Tuko kufunuo moya kwenda kufunuo ingine. Il n'avait pas cette présence. Quelle présence? Bo abakukuyaka na iwepo hii mweye muko nayo. Ni uwepo gani? Demande à ton ami quelle présence. Ni uwepo gani? Parce que
S'il s'agit de la colonne de feu, Moïse avait la colonne. S'il s'agit de la niwe, Moïse avait la niwe. Si Musa arikuyaka na wingo. Mais cette présence que vous avez ici, et il n'en avait pas. C'est quelle présence? Demande-lui c'est quelle présence. Alléluia. Alléluia. Moïse dit, Musa nasema, Dieu, je vais te voir. Mungu, mina penda ni kuone. Je vais te voir. Mina penda ni kuone. Je vais te voir. Mina penda ni kuone. Tiens bien Moïse. Mungu alielezea Musa. Tiens-toi sur le rocher. We shimamia yulu ya mwamba. Moïse. Musa. S'est-tenu sur le rocher. Alishimamaka pa mwamba. Il a vu quelqu'un passer. Aliona mtu anapita. Et cet homme-là, na ule mutu, lui a donné le dos. Alimonesha paka mukongo. Il dit Moïse, regarde-moi. Anasema Musa unyangarie. C'était le dos. Ilikuwa ni mukongo. Pourquoi le dos? Jua nini mukongo? C'était le dos de qui? Ilikuwa ka mukongo ya nani? Alléluia! Alléluia! Ces gens de l'Ancien Testament n'avaient pas cette présence. Quelle présence? Parce qu'ils avaient la colonne de feu. Ils avaient la niwe. Mais là, quelle présence? Alléluia! Alléluia! Hey! Il n'avait pas le privilège que vous avez. Aujourd'hui, cette colonne de feu, cette niwe de gloire est devenue un homme. Et Branham prêche la présence de Dieu non reconnue. L'homme est là qu'ils ont salué de loin. Lisons. Tu somme. Terminons la citation. Tu malise andiko. Il n'avait pas ce privilège. Abakukuaka na ibati. En effet, ni kusema, ils ont vu d'avance ce jour. Bari tanguriaka kuona. Ils attendaient la venue bien avant. Barikuwaka na subiri ujio tangia zamani. Et maintenant, na apa sasa. Nous vivons en plein dedans. Tuko naishi ndani ya ile shiku. Et nous avons peur. Na tuko na boka. Alléluia. Alléluia. Branham prêche. Branham anahubiri. Reconnaître. Kutambua. Votre jour. Shiku yako et son message na ujumbe yake. Le jour shiku, ce n'est pas lundi, aiko mkazimoya, ce n'est pas dimanche, aiko jumapili. Le jour shiku, c'est un homme ni monto. Reconnaître kutambua votre jour shiku yako et son message na ujumbe ya ile shiku. Les gens de l'Ancien Testament n'avaient pas cette présence. Ils ont salué ce jour, salimia hii shiku hii. Ce jour de loi. Ils ont fait des recherches. Barifanya maupekuzi. Des investigations. Barichunguza. Pour connaître. Kwa ajili ya kujua. L'époque. Wakati. Mais. Kwa lakini. Ils sont partis dormir. Barienda kulala. Ils ont salué. Barilamukia. De loi. Luambari. Mais nous. Kwa lakini sheye. Nous sommes en plein dedans. Uko ndani ya ile shiku. Abraham. Ibrahim. A vu ce jour. Arionaka ishiku. Il a salué ce jour de loi. Abraham a salué William Branham. Paul a salué William Branham. Le jour, Shiku, c'est William Branham. Ni William Branham. Voilà. Tazama. Cette présence. Iwepo. Hey. Bo. Il n'en avait pas. Abakukuaka na iwepo. Mais non.
Nous avons vu Dieu. Quand il est devenu un homme chauve. Tu refuses. Unakatala. Mais les aigles avancent. Walakini batai beko na meza. Les aigles avancent. Batai beko na songa mbele. Les aigles disent alléluia. Batai beko na sema alléluia. Aminawe. Ah, c'est la vérité. Aha, ni ukweli. Que cela puisse entrer. Il est pas te kuingia. Aller de révélation. Kutoka kufunuo kwenda kufunuo ingine. Dilui l'aigle n'a pas sa maison. Umweleze. Allons là-haut. Akagana kisangala yake chini. Twende yule. Dilui, prenez ta foi. Umweleze, beba imani yako. Prenez ta foi. Beba imani yako. Mungu, allons là-haut. Pande twende kule yulu. Il n'avait pas cette présence. Aba kukuwaka na ii uwepo. Ils ont cherché. Bari tafuta. Ils ont salué de lui. Bari la mukiria luambari. Ce jour. Ishiku. William Marion Branham. C'est mon jour. Jo shiku yangu. Jour unique. Shiku ya kipeke. Koni. Shiku ilio julikana. De l'éternel. Na wa milele. Vers le soir. Wakati wa jioni. La lumière. Noro. Paraitra. Itaonekana. Branham, c'est le jour. Branham, jo shiku. Qu'ils ont salué de lui. Bari mula mukia luambari. Paul était le jour. Paulo alikuwa kasiku. Noé était le jour. Noé alikuwa kasiku. Et Jésus-Christ. Na Yesu Christo. L'ancien des jours. Muse wa maseko. Jésus-Christ. Yesu Christo. L'ancien de tous les jours. Wa masiku zote. Les jours ce sont des hommes. Siku ni bantu. Et Jésus-Christ. Na Yesu anasema. Il est l'ancien des jours. Muse wa masiku. Mais ces jours. Kini shiku. Ils ont salué. Ila mukia. S'appelle. Naitwa. William. Marion Brana. Ces choses, c'est la délivrance de l'âme. Même si l'âme était en prison, soyez libérés. Maintenant, que l'âme soit visitée, que l'âme soit touchée, que l'âme soit connectée, qui est spectacle lumière dans votre famille, dans vos affaires, avec le Dieu qui est ici, l'ange qui est là, je prononce, soyez bénis. Spectacle lumière, même pour tes enfants. Spectacle lumière dans ton commerce. Spectacle lumière même dans ton ministère. Spectacle lumière dans tout ce que ta main touche. Dans ton mariage. Dans tes études. Dans ton travail. Qui est spectacle lumière. Spectacle lumière. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. On va se tenir debout. Tachimama. Je vais prier pour toi pendant que cette onction est dans la salle. Mita kombea apa sasa apa upako chingariki apa. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Là. Thank you.
voilée de la terre. Ton nom est le Seigneur Jésus-Christ, le Dieu qui a envoyé Frère Branham, le Dieu qui m'a envoyé. Je lève ma main pour demander que l'interrupteur principal de la vie du frère, de la vie de la sœur, soit actionné maintenant par le Saint-Esprit au nom puissant de Jésus de Nazareth, afin de changer la nuit en jour. L'âme qui était dans un mauvais état soit maintenant libérée et délivrée au nom puissant de Jésus. Père, que les faibles deviennent forts, que les malades soient guéris, quelle que soit la maladie qu'il a amenée à l'église ce matin, qu'il dépose cette maladie ici et qu'il sorte de cet endroit guéri, 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 dans le nom de Jésus. S'il a un problème du travail, qu'il reparte avec la solution. S'il y a un problème du foyer, descends avec la solution, Seigneur. L'âme qui est prête à te connecter, à te recevoir, maintenant même, Seigneur, Saint-Esprit de Dieu, descend, viens, souffle sur sa vie, dans son cœur, dans son âme, maintenant même. Occupe la place dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Saint-Esprit, viens, souffle. Remplis, balance, Père. Pardonne, oh Dieu. Que la puissance de Dieu vienne pour chasser toute mauvaise puissance. La puissance des ténèbres, des liens de coutumes, des rituels, des superstitions, de l'incrédulité et toute autre chose qui n'appartient pas à Christ, soit délogée de leurs âmes maintenant même, comme je suis en train de le dire, au nom puissant de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus-Christ, que les âmes de tes enfants soient remplies de Dieu, soient remplies du Saint-Esprit, soit rempli de la puissance surnaturelle, soit rempli de la révélation, et que les bonnes choses puissent les accompagner à partir de maintenant, Seigneur. Un changement puisse s'opérer dans leur maison, dans leur foyer, dans leurs affaires, dans tout ce qu'ils font. Nous te disons merci, Jésus. Nous t'élevons, nous t'acclamons, Roi des rois, Seigneur des seigneurs. Que ta grâce et ton amour soient répandus dans nos cœurs. Nous quittons cet endroit avec la délivrance totale, avec un esprit de progrès, car nous devons nous développer avec la parole. Nous ne voulons pas l'évangile de Satan, mais le progrès qui vient de l'âme, Seigneur. Merci pour Frère Branham. Nous te louons, nous t'adorons, Seigneur. Parce que les gens de l'Ancien Testament ont salué cette présence de loin. Mais tu nous as fait la grâce d'être en plein dedans. Nous te remercions pour cela. Que ces bénédictions nous accompagnent. Que les malades soient guéris. Et que la vie éternelle soit donnée. Encore une fois, nous te disons merci, Seigneur. À toi les honneurs, reçois la gloire, reçois la puissance. Toi qui vis au siècle des siècles, merci Seigneur. Au nom de Jésus-Christ, nous t'avons ainsi prié. Amen.